Cerbrophorable. Mais Donc Tato il sait que ça bouge de bois et que ça va être devant. Donc Tato il sait qu'il va pouvoir push. à choisir, tu préfères quelle position là? Moi, je pense que c'est un petit peu even. Je sais pas, peut-être que Hera, il est un petit peu moins bien maintenant, mais j'ai l'impression que tu vois, son écho, elle est un peu plus clean, il a plus de ferme. Tu vois, je pense qu'il va être un peu mieux. Et puis, oh non, le Moi je fait que Tato ait préfère fait la atelier de siège à position la d'Hera. maison, je préfère Hera. Ouais. Parce que Tato a fait à la maison l'atelier de siège. Je m'attendais, il sera plus exotique de Tato, hein. Là c'est rendu classique. Je m'attendais vraiment à un forward sur les baies. Après il allait faire des tours derrière. Tu sais, genre un truc à la Tato, genre tour derrière le bois, il stono l'arrière de l'adversaire pour pas qu'il vienne contester. Tu vois, des trucs comme ça. Ça aurait pu être pas mal avec Espagnol. Ça aurait pu être pas mal avec Espagnol. Ou même avec Lituanien, hein, le petit forward pour le start. Et après tu prends les reliques avec Lituanien. ATC. Tato qui est sur 1. Comment ça, petit oiseau qui nous dit le château de Tato? Comment ça? Ah ouais, Tato 420 pierres, hein. Après, il va peut-être le vendre avec. Ah, si Sarrazin, hein, je trouve que ça veut rien dire. 420 de bois, ça pourrait être le château de Tato, si tu vois, avec Sarrazin. C'est vraiment. Ça veut vraiment rien dire. Bon, Hera, il y a un malaise sur la micro là. Ouais. Bon, après, il avait plus d'archers, donc il était sûrement un peu bourrin, Non, tu mais vois, mais. là. Ah, mais je trouve. Je sais pas. Tu te souviens quand on joue en team game ces derniers temps? Moi j'ai souvent vu qu'il y avait un malaise en team game en flank sur la micro de Zerchera. Je joue pas trop, alors. Je crois que je suis pas trop Mais tombé contre je suis Hera. tombé deux fois contre lui d'affilée en flank et je trouvais ça vraiment malaisant, hein, les gars. Genre en archer pur contre archer pur, je crois pas que ça soit un monstre. Hein. Non, Lui il est non, non, fort bah, il est avec meilleur en les micro, moines, il est des trucs meilleur en comme ça quoi. macro, hein. Ouais, non, après il micro bien d'autres compos d'armée, tu vois, mais. Un archer contre archer, c'est pas compliqué, c'est pas de la rapidité quoi. Par contre, si tu demandes de micro des moines avec des tirailleurs, là il dit oui. Bon, 3 forums Tato qui contre va 1 quand même. push, il est sur un TC. Ouais, je fais pas le push de Tato, mais il a l'air pas dingue au bout. Hein. Bah ouais, ça aurait pu marcher s'il avait 6 reliques contre 0 quoi, le all-in. Par contre, Mais. les archers stack en bas là qui se prennent des coups de scorpion là. Voilà, c'est ça. Il micro bien les crossbows quand il y a balistique, ils disent. Je suis d'accord, c'est ça. Cas, Hera, il a mis un scorpion sur son bois. Drôle de bûcheron. Bah ouais, il a raison. Hein. Ça coûte pas si cher un scorpion. Ouais. Ça lui assure une sécurité. Rédemption par Tato. C'est du Tato quoi. C'est le genre de truc où j'ai l'impression que Hera il va quand même pouvoir faire du 1 contre 1 pour les Mangono, du 1 pour 1. Et Rédemption ça va servir à rien. Tato que Hera est déjà sur la pierre. Forcément, c'est le genre de situation où moi à la place d'Hera j'aime bien acheter une tour. Si t'as le plus d'attaque, tu trouves une tour avec le plus 2. Tu sais, c'est peut-être pas nécessaire, mais ça te libère quoi. Ouais, peut même faire trop de garde, hein. Ouais, mais rien qu'une tour de guet avec le plus 2 à hein, rempli, c'est vraiment la libération. Oh, et Ra, il est bien niveau écho. Hein. C'est là que tu vois Ouais. qu'Aztec, ça a une grosse écho. Ouh, château de Par contre, Tato. il va y avoir un drop château qui va être Par contre, si vénère celui-là là. il passe, en fait, ça va être le château de la game. Mais il va être dur à stopper. Hein. Oh, j'ai cru qu'il allait se faire one shot son château. Oh, le château il est tombé à 50 HP, hein. Je peux te dire qu'il a sué du fiac le bon Tato, hein. Ça se joue maintenant. Hein. En vrai, Hera, s'il déménage, il est fine, mais c'est chiant quoi. T'as vu, le château il a failli se faire one shot, hein, c'était chaud. Ouais. Hein. Oh, attention Voilà, parce que c'est dans tu ces l'as mis fights-là contre que Hera, il va Tato. être fort en micro, je pense. C'est pas en crossbow contre crossbow. Oh, Tato il a de la chance, hein. Oh, le gros shoot! Oh, je l'ai vu partir Vous voyez ce que direct. j'ai dit quand j'ai dit qu'il était fort en micro de ce fight-là? Il vient de se prendre des Oh, il va trucs. tout perdre! Il va tout perdre tout le Oh, château! il est sous le château. Bon, ouais, ça va, il a bien Oh réagi. Hein. là là. Ouais, Mais ça va. il est ok, il est ok. 71 villageois à 41. Bon, je prends tous les jours la position Ouais mais d'Hera. regarde, Hein. le score. Non, mais ouais, mais je prends tous les. Ouais, en fait, psychologiquement, il dit pas qu'il est en train de gagner. Il est pas Mais de bien, notre point de vue, psychologiquement. moi, si je dois choisir, je choisis tous les jours sa position, Hera.
Parce que regarde en plus l'armée qu'il a, il a 3 archers hein, et un moine. Ouais, c'est pas si grave. S'il y avait des knights en face, genre moins d'armée, il y a des knights en face, là tu peux t'inquiéter, mais là des crossbows. Par contre, regarde Tato. Il perd tellement de vie. Tato, par contre, il se dit j'ai dîné le bois au milieu, j'envoie mes archers derrière, let's go. Ouais. Après, il va être content d'avoir un scorpion Hera. Hera, non, mais Hera, il est très bien. Faut juste qu'il choque Et pas ben. mentalement parce qu'il dit qu'il est mal. Moi, je pense à un villageois de Tato qui va faire un atterrissage dans le bac. C'est tellement relou. En Ouais, il plus, va Tato, il a s'étendre sur la map. rédemption. En fait, il a tellement de villageois d'avance, Hera, que c'est pour ça que je dis qu'il est Ouais, mais fine. il le sait pas. Ouais, Il le sait pas. c'est ça.